Le point de départ de Nomad Music, c'est une réflexion qui est peut-être effectivement plus venue par le label, parce qu'une volonté de penser différemment les moyens de diffusion, de communication autour de projets artistiques. L'objectif numéro un, c'est vraiment de faire connaître les artistes et qu'ils soient ensuite diffusés. On veut être un peu tremplin, en fait, de leur diffusion et de toute la communication qu'il y a autour d'eux. Sur le label, on est sur classique, jazz et musique du monde. Mais on a vraiment voulu, sur le webzine, ouvrir à d'autres répertoires. On peut parler de chansons, on peut parler de rock. Et c'est pas parce qu'on écoute du classique qu'on n'écoute pas d'autres choses. C'est pas parce qu'on s'intéresse à la chanson qu'on peut pas écouter une symphonie de Beethoven. C'est justement l'enjeu de rassembler des personnes différentes sur une plateforme. Donc rassembler des personnes différentes, c'est rassembler des artistes, des journalistes, mais c'est aussi rassembler des internautes. Mais après, l'enjeu, c'est vraiment de décloisonner et de démocratiser la musique classique, jazz et musique du monde. Ensuite, j'ai trouvé que le projet très moderne, très moderne pas seulement par la technologie, mais par les différents aspects qu'elle aborde dans ce site internet. Je crois que c'est quelque chose de très complet. Il y a souvent une désolidarisation entre la presse écrite, les maisons de disques et les artistes. Et je crois que ça, c'est une sorte de collectif qui va permettre peut-être une meilleure cohésion. Au final, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire de la très très bonne musique et peut-être de la faire mieux, dans de meilleures conditions. La première chose qui me vient, c'est que le label laisse l'artiste libre, parce que je vois ça beaucoup autour de moi, avec des labels qui imposent, je ne sais pas, le répertoire qu'on va jouer. Ensuite, c'est le savoir-faire quand même de l'ingénieur du son et d'avoir une bonne direction artistique. Voilà, ça c'était un critère très important. Alors l'histoire de ce premier album, elle est assez touchante évidemment, déjà du fait du passage de flambeau entre Jean-Jacques et son fils. Il y a un passage de génération et puis il y a la double symbolique évidemment du passage de flambeau entre justement l'objet CD et puis d'assumer vraiment de faire son premier album au numérique. C'est très courageux aujourd'hui de créer un nouveau label et la façon de le réaliser est quand même différente des traditionnels majors donc, qui travaillent sur le marché. Nous, évidemment, on est très touchés parce que c'est un honneur pour nous de faire ce premier album avec lui et avec son fils aussi, hein, qui, malgré son jeune âge, et lui, c'est son premier disque, a vraiment une sacrée maturité et des vraies choses à défendre. Et je pense qu'il faudra vraiment le suivre de très près. L'intérêt d'avoir un comité artistique et un comité éditorial, c'est que les gens sont force de proposition. Et c'est vraiment ce qu'on souhaitait pour que, par rapport aux genres musicaux dans le comité artistique, qu'on ait des propositions différentes. J'ai fait une formation de musique classique, mais ensuite j'ai mis un pied un peu dans le jazz, dans les musiques du monde. Et ça m'a amené à rencontrer un tas d'artistes d'horizons très différents. Ça va de l'Argentine à Madagascar, en passant par l'Inde ou les États-Unis avec Aldi Meola.
Quand Kevin nous a parlé de José, c'était vraiment dans l'idée de nous faire découvrir, nous déjà personnellement, un artiste qu'il aimait beaucoup, avec qui il avait joué, avec qui il avait déjà partagé beaucoup de choses sur un plateau. Je trouve que quelqu'un comme José Manuel León mérite vraiment d'avoir une place sur scène pour ses projets. C'est quelqu'un de très peu connu en France, en fait, dans ce milieu-là. Et là, Kevin avait plutôt très très bien vu. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, José est notre premier album en musique du monde et il sort en mars. Les premiers artistes, à l'exception peut-être effectivement de Jean-Jacques Kantorov, c'est plutôt des artistes assez jeunes, des talents émergents. Et donc, Internet, c'est leur génération, le numérique, c'est leur génération. Eux-mêmes écoutent la musique sur les plateformes de streaming. Ils sont aussi passés à autre chose, donc ils se sont dit qu'ils allaient passer à autre chose avec nous. Voilà.